C'est à l'occasion du 150e anniversaire de la première apparition de la Sainte Vierge à Bernadette Soubirous que le pape Benoît XVI, venu spécialement de Rome pour cette occasion, allait rassembler des milliers de chrétiens venus du monde entier. Tengo la foto, Había estado aquí, ¿no?
et la police. Seigneur Jésus, tu es là. Et vous, mes frères, mes sœurs, mes amis, vous êtes là avec moi, devant lui. Seigneur, voici 2000 ans, tu as accepté de monter sur une croix d'infamie, pour ensuite ressusciter et demeurer à jamais avec nous, tes frères, tes sœurs. Tout est venu du Christ, mais Marie, tout est venu par Marie, même le Christ. Marie, la Vierge Sainte, est avec nous ce soir, devant le corps de son fils, 150 ans après s'être révélée à la petite Bernadette. Vierge Sainte, aidez-nous à contempler, aidez-nous à adorer, aidez-nous à aimer davantage celui qui nous a tout tant aimés, pour vivre éternellement avec lui.
Une foule immense de témoins est invisiblement présente à nos côtés, tout près de cette grotte bénie devant cette église voulue par la Vierge Marie. Apariciones de la Virgen en Lourdes, siguiendo el ejemplo de María Santísima, confiad siempre en Dios y poned vuestras vidas en sus manos de Padre. No os canséis de rezar, dando gracias al Señor por los beneficios recibidos y pidiendo constantemente el don de ser discípulos auténticos de Jesús, misioneros audaces de su Evangelio. Sembradores de esperanza y testigos de la caridad. Feliz domingo a todos, que Dios os bendiga y acompañe. En quittant Lourdes et les Pyrénées, Jeannette et moi étions comblés. Non seulement nous avions découvert une chaîne de montagnes magnifique, bien que différente que celle que nous connaissions déjà, mais tant dans les Pyrénées espagnoles que dans ce midi de la France, la foi en Dieu semble être omniprésente. Autant dans les édifices religieux que par la marée humaine dont nous avions fait partie l'espace d'une journée, et que dis-je, la marée humaine n'est, je crois, pas un terme assez représentatif. Je dirais plutôt, pour faire un jeu de mots, un océan pacifique. Alors, avec cet océan pacifique de chrétiens, je dirais que l'espoir que l'homme recherche encore la paix semble être bien réel.
Le 15 septembre en matinée, nous reprenions la route pour nous diriger vers la Suisse. On est à Saint-Sulpice, en Haute-Garonne. Il mettait beaucoup de gargouilles à l'époque. Oh, les murs, les murs. Oui, oui, oui. On est encore dans le midi de la France. Et puis belle couleur. Plus beau que ça, on peut pas. Non, c'est très belle. On est où? On est en dessus de Grâce à Dieu. Je prends mes serres sans partage. C'est un combat que j'ai mené. Et si Dieu veut me pardonner, il est plus haut que les nuages. C'est mystique. J'aime ça. Sur la route de la Suisse, Jeannette et moi avions le désir de revoir la Méditerranée, l'espace de quelques instants. Arrivés à la fin de l'autoroute des deux mers, nous étions à Narbonne. Et en cherchant Narbonne-Plage, nous arrivâmes à Gruissant. Comme Jeannette avait quelques souvenirs à acheter, nous allions y visiter les boutiques. On s'approche et quand on arrive à proximité, tout le monde chante. J'ai pas de petit crayon pour les crayons. Ça va plus vite. On pourra pas le cacher, il faudra le mettre juste dans la boîte. Non, mais vous ne passez pas ça. Ça vous ne mettez pas. Puis t'as réussi, Vanna? Oui. Oui. Juste, mais là, elle est arrivée. Et est-ce qu'il y a des dauphins à Gruissant? Ah oui, trois.